Vaig tenir la fortuna d'ensopegar amb traduir com cançoiment. Em va emocionar tant que després de llegir-lo diverses vegades vaig decidir que l'havia de fer meu, reescriure'l i llegir-lo en català. El llibre és un recorregut per la vida de traductora de Miquel Cancel i les lliçons de traducció que va aprenent a còpia de viure i de traduir. Arran de la traducció ens vam conèixer i vam entaular una fecunda relació d'intercanvis literaris. L'Antoni Clapés ha traduït una selecció dels seus poemes i ella, amb la meva ajuda en el català, ha traduït al francès un llibre de poemes del Toni. No sabem on ens portarà aquest afany de col·laboració literària, però de moment ens ha portat fins aquí, amb aquesta invitació de l'ELC a participar en aquest seminari tan nostrat. Gràcies a ELC. No cal que especifiqui els diferents llibres i autors que he traduït, perquè ho anirem recorrent en aquesta entrevista i veureu els esculls que ha escollit ella en la seva vida de traductora i de poeta i de persona. Com que ella té moltes coses a dir, comencem ja amb les preguntes, però abans segurament té alguna cosa a dir també sobre el que ha sentit i sobre el moment que estem vivint al món. À réfléchir à la responsabilité du travail du traducteur. Moi, j'étais très touchée par les paroles de Nguiva Tongo quand il a dit que toutes les langues, c'est un grand orchestre. Et cet orchestre peut jouer d'une manière harmonieuse. Et que chaque langue a un trésor extraordinaire d'humanité. Et je crois que, en écho à ce qu'a dit Ngugi, on peut peut-être mettre dans notre cœur ce matin que notre responsabilité, c'est que cet orchestre de toutes les langues joue d'une manière harmonieuse et que notre responsabilité, c'est de sauver cette part d'humanité de chaque langue qui doit l'emporter sur la part de barbarie qu'il y a aussi dans chaque langue. Et ce matin, en venant, j'ai acheté le journal et j'ai vu qu'il y avait une exposition qui se prépare en ce moment à Céret. Et le nom de cette exposition, c'est, je m'excuse ma prononciation, mais Cadarostre Es un loc, c'est-à-dire chaque visage est un lieu, et il y a une phrase au Tibet qui dit que tous les lieux sont des liens, et chaque visage est un lieu, mais c'est aussi un lien, et chaque visage c'est aussi une voix, et donc chaque voix et toutes les voix doivent être des liens. Et je pense que c'est à notre infime part dans ce monde, peut-être aussi un petit espace de responsabilité. Vas néixer a París durant la Segona Guerra Mundial i vas viure una infantesa marcada per l'èxode, l'exili, la invasió nazi a França, el compromís del teu pare amb la resistència francesa. Des de molt petita vas estar en contacte amb diferents llengües, és a dir, amb diferents maneres de veure el món i de dir-lo.
Pot sortir d'aquí el teu desig de traducció com a manera d'entendre el món, com a pont entre llengües, cultures i persones? Vous avez prononcé le mot de pont et car du reste employé aussi depuis un autre continent, Ngui. C'est-à-dire que voilà, les ponts sont immenses et comme il disait, les ponts ne sont pas à un sens unique. Et je voudrais juste vous lire quelques vers du poète Apollinaire qu'il a écrit le 24 avril 1913. Cordes, les cordes, faites de cris, sons de cloches à travers l'Europe, siècle pendu, rails qui ligotaient les nations. Nous ne sommes que deux ou trois hommes libres de tout lien. Donnons-nous la main. Cordes, cordes tissées, tour de Babel, changée en pont. Voilà. Et tu lui as posé la question peut-être de l'origine de ce qui m'a amené à traduire. Et je pense que vous tous qui êtes là et qui êtes des traducteurs ou des futurs traducteurs, je crois que c'est très intéressant. J'avais fait plusieurs fois organiser un grand repas avec des étudiants ou des jeunes traducteurs. Et chacun a essayé de réfléchir au fond pourquoi il traduit. Alors évidemment, dans l'immédiat, il y a des questions financières, matérielles, ah oui, un grand-père, bon. Et quand on creuse, il y a parfois justement des histoires de ponts. Des ponts qui ont été brisés ou des ponts qui ont été maintenus. Et moi, je voudrais vous raconter une toute petite histoire. C'est que depuis mon enfance, quand j'ai pu retrouver les survivants de notre famille de Hongrie à Budapest, et j'avais une de mes tantes, elle n'avait pas pu étudier comme jeune fille juive et puis d'une famille pauvre, et elle travaillait avec des enfants sourds-muets. Et avec un groupe de femmes, après la guerre, elles ont créé une structure pour accueillir des petits enfants entre 0 et 3 ans qui étaient séparés de leur mère, des mères, beaucoup d'enfants de mamans tziganes qui étaient en prison ou malades ou mortes et des survivantes, etc. Donc 3 ans. Et ces enfants-là, dans cette petite pouponnière qui est devenue modèle dans le monde entier par sa pédagogie, s'appelait et s'appelle l'Otsi. Et là, donc, c'était des enfants qui n'avaient pas de langue maternelle. Mais la pédagogie était de les aider, d'une part, à faire un lien entre le mouvement du bébé et son développement mental, et d'autre part, acquérir une langue, trouver leur propre langue. Et donc, on essayait toujours d'avoir une éducatrice qui soit la même pour ses enfants, c'est-à-dire pas changer tous les jours. Et je me souviens, moi-même, quand j'étais très encore enfant, puis ensuite adolescente, j'ai suivi ça avec passion, et je voyais ces éducatrices qui, avec des tout-petits, qui avaient quelques semaines, puis quelques mois, écoutaient l'enfant et lui répondaient. Et ça m'a frappée, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et au fond, pour moi, une des racines de ce travail, peut-être de traduction, c'est d'écouter la parole de l'autre, pas la mienne, mais ce que lui, il a à me dire dans cette langue qui fait qu'il est lui-même, sa langue intérieure, ce que j'appelle la langue natale, où on est à soi-même et qui n'est pas la langue maternelle, elle peut être la langue maternelle, ça c'est. Mais voilà, ce chemin qu'on fait, et ça c'est l'écoute. L'écoute de l'autre fait qu'on est à soi-même aussi, on est le naître.
Voilà, c'est peut-être ma réponse à ce que tu demandais. Hi ha dues activitats teves, la traducció i la creació i la vigència i vivència poètiques que vertebren la teva vida. La poesia diu el món, la vida. La traducció els torna, ens els torna per fer-nos pensar i per dir-los en una altra llengua. A la pràctica és una mateixa activitat la del poeta i la del traductor? Com s'alimenten l'una i l'altra o l'una de l'altra? Je pense que la peut-être quelque chose qui fait partie de la poésie, c'est peut-être cette écoute de ce qui est au-delà des mots. Comme on entend une voix. Et en hébreu, c'est le même mot « kol » qui veut dire la voix et l'appel. Arriver à entendre même au-delà des mots. Et c'est bien que ce soit Tony Clapès qui me pose cette question, parce que je voulais évoquer quelque chose qui m'a beaucoup frappé justement sur ce rapport entre traduire et la poésie, c'est un petit passage d'un texte que tu as traduit du poète Jacotet, et un jour tu disais que ces quelques lignes sont pour toi l'expression au fond de la poésie. Alors je ne sais pas si tu peux le lire en ta traduction en catalan, c'est le passage des vagues « Vegades penso ». Et moi, j'ose pas le lire en catalan. Moi non plus. Moi, j'ai pas le livre ici. Si. Es professional y al sacú. De vegades penso que si encara escric, és, hauria de ser abans que res, per aplegar els fragments més o menys lluminosos i convincents d'una joia que estaríem temptats de creure que un dia va explotar, ja fa temps, com una estrella interior i ens va escampar la pols per demà. Torno a llegir perquè potser és espècie, però és que és meravellós. Jacotet. De vegades penso que si encara escric, és, o hauria de ser abans que res, per aplegar els fragments més o menys lluminosos i convincents d'una joia que estaríem temptats a creure que un dia va explotar, ja fa temps, com una estrella interior i ens va escampar la pols per damunt. Et donc, si, puisque vous êtes traducteur, vous savez qu'on traduit des livres, mais c'est des chapitres, mais c'est des phrases, mais finalement c'est un mot, quoi. Ça commence comme ça. Et il y a un mot dans cette traduction cette traduction du poème de Jacotet, sur lesquels je voulais s'arrêter une seconde. Comme tu dis, comme una estrella interior y ens va escampar la polsper d'amunt. Une étoile intérieure est répandue, a répandu sa poussière, per d'amunt, et Jacotet a dit en nous, en nous. Et le poète Clapès a dit per d'amunt. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que le mot il résonne, et il résonne dans l'histoire de Jacotet, en nous, et il y a quelque chose dans la langue catalane, dans l'hospitalité catalane, et également l'approche et l'écoute, j'allais dire, je m'excuse du mot, mais la générosité de la poésie.
de Anthony Klapès qui ouvre à l'autre. Et c'est-à-dire, c'est pas seulement l'étoile en nous, mais c'est Perdamonte, il faudrait traduire, c'est au-delà, quoi. Et c'est cette ouverture. Et je pense que là, on voit comment, au fond, qu'est-ce que c'est que la poésie et cette rencontre mystérieuse entre le poème, le traducteur, et cet espace de liberté et ce dialogue dont Mugongi a parlé si magnifiquement, qui fait que vous jouez un violon à deux voix. Voilà. À la traduction et à la poésie. Moi, ma rencontre avec la poésie, j'étais petite, j'avais 10, 11 ans, je ne sais pas, et j'étais malade, et je m'ennuyais, et j'avais pris mon livre de classe, et dans le livre de classe, il y avait un poème de Victor Hugo qui s'appelle « Océanonox ». Je ne savais pas que la poésie, ça existe, je ne savais pas que Victor Hugo était un grand monsieur. J'ai lu ça, et pour moi, il y a eu un séisme dans ma vie. Mais dans ce poème, Victor Hugo évoque les marins qui sont partis et qui ne sont jamais revenus. Et il évoque les vieux parents qui sont assis le soir au bord de la mer. Et il dit, ils écoutent les vagues et la mer et la marée qui arrive. Et les morts sont là, tous les absents sont là. Et il parle aux vagues et il dit, c'est ce qui vous fait ces voix désespérées que vous avez le soir quand vous venez vers nous. Et je me suis dit, en réfléchissant à ça, au fond, cet appel, la poésie, moi je l'ai vécu comme un appel, une voix, et la traduction, c'est ça quoi aussi, ce passage. En tout cas, moi c'était mon rapport à la poésie, et qui est le même à la traduction, il y a une voix qui me parle, quoi. Voilà. Un dels seus primers viatges en el camp de la traducció va ser a Berlín, als anys 60, on vas assistir als assajos d'Antígona, la figura per excel·lència de la resistència, que Bertolt Brecht va escriure a partir de la traducció de Hölderlin, amb l'objectiu de resistir-se a la nazificació de la llengua alemanya. Dius que aquesta Antígona, dirigida i protagonitzada per Helen Weigel, et va donar una gran lliçó de traducció quan vas veure que Weigel no es limitava a interpretar un paper, sinó que ella mateixa era la intèrpret, que no s'apropiava del text, sinó que hi posava distància, el feia entendre, el feia copsar en aquest allunyament. Vols dir amb això que el traductor no ha d'interpretar, que s'ha de ficar a la pell de l'autor, que ha de viure el que diu l'autor per transmetre-ho, però mantenint la distància? Je pense que ce voyage à Berlin, comme souvent les voyages, même si c'est pas un grand déplacement, ça peut être des fois juste en traversant la rue, c'est des fois un voyage vers soi-même. Et moi, quand je suis allée à Berlin, c'était quand même une aventure. D'une part, bon, j'avais 20 ans et il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Et puis, je suis arrivée dans Berlin, le mur venait d'être construit. Donc ça, c'était encore une autre aventure. Et puis, pour toute une partie de ma famille, le fait que j'ai décidé, là, à ce moment-là, d'étudier l'allemand, à la Sorbonne, un peu, pas trop longtemps, mais quand même assez. Pour moi, c'était d'essayer, justement, de comprendre. Et je dois dire que ce qui a été fondateur pour moi, je le raconte dans le livre de Dolors, qu'on a traduit, c'est que mon père m'a dit, je voulais parler avec la famille de Hongrie, il m'a dit non, tu n'apprendras pas le hongrois, il avait trop souffert de l'antisémitisme en Hongrie. Mais il m'a dit, si tu veux parler avec la famille, ces survivants juifs d'Europe centrale, apprends l'allemand. Et je lui ai dit, mais toi tu aimes l'allemand, tu connais l'allemand. Et il m'a dit, je déteste l'allemand. Et à ce moment-là, et il m'explique que le professeur
à l'école, c'était encore l'Empire austro-hongrois, et lui était un petit garçon, puisqu'il n'avait pas 10 ans, puisqu'il est né en 1904, donc, et le maître lui a dit une phrase qu'il réservait aux enfants juifs de l'école, de la classe, mais je ne peux pas la dire en français. Ça, c'est aussi la question de l'éthique de la traduction. En allemand, il lui a dit « Du bist ein Stück Fleisch mit zwei Augen ». Et donc, et quelques années après, j'ai découvert au lycée, en apprenant donc l'allemand en seconde langue, poème de Goethe, de Mignon. Donc, un poème qui invite une enfant et qui lui dit « Mais viens, viens dans ce pays où fleurissent les orangers. » Et je me suis dit, la même langue, elle a cette capacité de barbarie et cette capacité d'hospitalité d'un enfant et de la beauté. Et je me suis dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il emporte? Et j'ai eu besoin d'étudier. Donc je suis partie à Berlin parce que là, je voulais travailler avec la troupe de Brecht. Et dans les archives, et la femme de Brecht vivait encore, parce que Brecht et cette pièce de l'Antigone avaient été retravaillées par Brecht. Vous voyez la traduction. Les nazis s'étaient appropriés la traduction que Hölderlin avait faite de l'Antigone, avaient transformé cette langue avec la mise en scène pour la nazifier. Et Brecht, avec sa troupe, revenant d'exil, attendant un visa, il espérait pouvoir rester en Suisse, dans la petite ville de Croire, avec sa femme, avec sa troupe, ils ont répété l'Antigone, parce que c'était la première fois qu'ils reparlaient leur langue théâtrale, et dans cette langue qu'ils voulaient dénazifier. Enfin, vous voyez, il y avait tout ce... Voilà, donc ça c'est le contexte qui est important. Et je rajoute juste une petite chose, c'est vrai que la Weigel, dans ce rôle de l'Antigone et dans son rôle, il y avait ce souci de ne pas se fondre avec ce sentimentalisme qui était à la base de toute cette démagogie de la pseudo-poésie théâtre nazi. Donc il y avait ce geste d'interpréter, je ne traduis pas, mais je me fais l'interprète, c'est-à-dire une distance. Et un peu plus tard, peut-être dans notre entretien, on reviendra sur ce mot d'interpréter, parce que je pense que l'attitude du traducteur, il varie aussi selon le sujet. Seguint aquest instint teu de reconèixer la veu de la resistència i de les minories, llegeixes els poemes d'un poeta de l'Alemanya de l'Est, Rainer Kunze, prohibit al seu país i traductor dels més grans poetes txecs que coneixen el bandejament, la censura, la presó, com Kundera, Skassel, Ola, etc. Et poses a traduir-lo i de seguida t'adones que Kunze, que no tens prou amb el diccionari per arribar a conèixer verdaderament el que ell diu, per arribar i necessites conèixer amb ell personalment, veure amb els teus propis ulls la realitat del poeta per posar en francès les seves paraules. Hi ha una paraula que surt al títol d'un poema, Sensibelwege, que et fa ballar el cap. La tradueixes per Sensible i 30 anys després, parlant amb el poeta, li reconeixes un altre sentit. Afirmes que la traducció és prendre riscos i posar-ho tot contínuament en dubte, encara que només sigui una sola paraula. Podríem dir que una traducció, com la vida mateixa, mai és definitiva i que sempre es pot trobar sentits nous. Le contexte, c'était le printemps de Prague,
invasion des troupes du pacte de Varsovie dans Prague, l'été 1968. Rainer Kunze était un des poètes, il y avait un autre grand poète qui était Peter Kuchel, RDA, très lié à ce printemps de Prague, très lié au grand poète de ce printemps de Prague, et avec voilà, cette arrivée des troupes soviétiques et des printemps. Une déchirure terrible. Et Rainer Kunze et tous ces poètes se sont trouvés interdits de lecture, exclus de la Chambre des écrivains, etc., exilés, Kundera, Skarsel, etc. Et je suis tombée sur ce poème, Sensible Wege. Et ce mot de sensible, j'ai eu le coup de foudre pour ce poème qui dit. Après, si je le cite à peu près de mémoire, sensible est la terre au-dessus des sources. Aucun arbre ne doit être arraché, aucune racine extirpée. Les sources pourraient tarir. Combien d'arbres sont arrachés, combien de sources, de racines extirpées. Puis à la fin, en nous. Et ce poème m'a bouleversée et je me suis dit, c'est ma première, vraiment un appel à traduire, mais je me suis dit, mais ce mot chemin, sensible, vécu, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot sensible? Et vous me direz, c'est idiot parce que dans n'importe quel dictionnaire, enfin même sans dictionnaire, mais je me suis dit, non, il y a quelque chose là derrière. Et je me suis dit, il faut aller à la rencontre. Le mot, c'est pas un mot de dictionnaire, ça. C'est un mot qui est fait avec de la chair, avec du cœur, avec la tragédie, quoi. Donc il faut aller là-bas. Et je suis partie dans la petite ville, et Rainer Kunze m'attendait sur le quai de la gare, et sa femme, Elisabeth, tchèque. Et puis après, ils ont su que. Tous les voisins, tous les environs, il y avait des micros de la Stasi, tout était surveillé. Bref, je suis allée là-bas et quand j'ai vu comment elle vivait, je me suis dit, ces chemins, mais c'est des chemins fragiles, à vif, fragiles, tout pour les abîmer. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai traduit par fragile. Et effectivement, 30 ans après, je me trouvais chez les Kunze, qui avaient dû quitter la RDA, ils étaient au bord du Danube, et Rainer Kunze avait eu un moment très difficile. Politiquement, ça jamais. Enfin, voilà, c'est encore tout un chapitre. Bref, il était parti en Afrique, en Namibie, quelque temps, chez des amis qui s'occupaient d'enfants là-bas, et il me montre des photos. Et il y avait les pieds des enfants, les pieds nus sur des pierres. Et il me dit, tu vois, on vit dans ce monde qui est insensible. Qui va être blessé dans son cœur en voyant les pieds nus des enfants sur des pierres? Et il m'a dit, mais tu sais, l'insensibilité, c'est peut-être ça le début de la barbarie. Et quand je suis redescendue de chez lui, là, le long du Danube, je me suis dit, mais ces chemins fragiles, ça c'était dans ce contexte. Et maintenant, aujourd'hui, le mot il vit encore, mais moi je le traduirai par les chemins qui restent sensibles. Et en réfléchissant à notre rencontre et puis à ce qui se passe dans le monde, je me suis dit, cette part de sensibilité dans la langue de Rainer Kunze, c'est ça qui m'a appelé. Et c'est ce que Ngugi vient de nous dire, c'est-à-dire ce capital de beauté, de fragilité qu'il y a dans chaque langue, dans chaque culture, et qui nous appelle, quoi. Et sans doute que c'est ça qui m'a appelé aussi. Mais je peux vous dire, ça je vous le redirai pour d'autres circonstances peut-être,
on n'est pas obligé d'aller forcément très très loin et de traverser toutes les polices et les murs et tout pour rencontrer, on traverse la rue et des fois. Et au fond, quand vous allez vers l'autre, c'est aussi vers vous-même que vous allez, quoi. Et il m'a fallu bien des années pour me dire qu'au fond, cette sensibilité-là, quelque part, j'avais besoin qu'il me la donne, quoi, de la vivre avec lui, quoi, sur le terrain. Voilà, c'est peut-être ça que je voulais dire. Peut-être une petite chose encore, c'est que cette langue sensible, et c'est une expression que Didier Huberman emploie dans son dernier livre, cette langue sensible, Rainer Kunze, il s'est battu pour l'avoir, contre la langue imposée par le réalisme socialiste. Ça lui a été reproché du reste à la Chambre des écrivains, j'ai eu les actes de condamnation. On disait que c'était à la fois une langue et une sensibilité petite bourgeoise. Et il l'a retrouvée en traduisant les grands poètes tchèques qui eux-mêmes puisaient dans ce patrimoine de la langue tchèque qui avait résisté après la victoire de la Montagne Blanche, à l'imposition de l'allemand sur la culture tchèque. Donc c'était déjà une langue de résistance, mais par l'humain. Et donc on n'en sort pas, finalement. Als anys 60-70, te'n vas al Vietnam, un país en plena guerra d'alliberament, sotmès a bombardejos inhumans, per fer una antologia en francès de poemes clàssics i contemporanis de la comptabilitat, una traducció no colonialista. En répondant à ta question, je ne peux pas m'empêcher de regretter l'absence de Mugi, enfin je veux dire, je pense à lui, quoi. Parce que le Vietnam, ça fait quand même partie, je crois, la seule colonie qui, à la décolonisation, après Dien Bien Phu, a décidé non pas de garder la langue du colonisateur, mais de retrouver sa propre langue, ce qui est quand même très intéressant. Et d'autre part, quand j'ai été invitée à rejoindre ce projet par un personnage d'une ouverture et d'un humanisme extraordinaire, mais je ne peux pas tout raconter la même fois, et il voulait que soit retraduit le patrimoine poétique et littéraire du Vietnam. On était encore en pleine guerre, hein. C'est une guerre qui a duré 30 ans, hein, de 45 à 75. Les traductions, que ce soit une traduction qui ne soit plus celle faite sous la colonisation. Et c'est vrai que pour préparer un livre que je voulais dédier aux enfants vietnamiens sous les bombes, à Paris, j'étais allée au muséum pour essayer de retrouver des traductions. Et là où il y avait les génies traditionnels du confucianisme, dans les traductions faites sous la colonisation, il y avait des chérubins et voilà, quoi, je veux dire, la colonisation. Et surtout, ce qui était des images de l'imaginaire de cette culture que les colons ont souvent sauté par-dessus, comme disait Mugi, hein, on colonise aussi une pensée, une culture, et bien c'était devenu de l'exotisme. Or, c'est devenu pour moi un maître, cette personne qui m'a invité, qui dirigeait et qui avait créé la maison d'édition Langues étrangères, en disant que l'étrangeté l'emporte sur l'humain. Les phénix et les dragons cachent les hommes. Il faut rester fidèle, non pas à l'image comme ça, mais recréer cette humanité, cette universalité de l'œuvre, apporter des images nouvelles, des façons originelles de voir la vie et les choses. Donc c'était un paradoxe, inviter en plus une Française pour retraduire des œuvres qui avaient été abîmées. Voilà. Voilà. Et c'était donc une aventure, et pour moi, une sacrée école, quoi. Et j'avais une méthode
avec, j'avais un cahier, et dans ce cahier, il y avait deux lignes. Il y avait une ligne en haut, c'est ce que dit le dictionnaire, et puis une ligne en dessous que m'a aidé à écouter pour un seul mot, pour chaque mot, un des grands poètes qui était encore vivant à Hanoï à ce moment-là, et qui, paradoxalement, avait été formé au français par l'école de la colonisation, mais par la force des poètes, les grands poètes romantiques, Lamartine et Chateaubriand et Victor Hugo, ils me disaient, mais c'est eux qui m'ont appris à dire « je ». Donc vous voyez, comme les choses sont... L'humain, il se faufile partout, quoi. Hein. Voilà, et alors je voulais dire encore une autre chose, c'est que, comme je m'étais engagée à faire ce travail, j'ai dû aussi assumer un volume très très difficile, impossible, puisqu'il y a une quarantaine de peuples minoritaires dans les montagnes du Vietnam, avec des langues chaque fois différentes. Et donc j'ai travaillé avec un des poètes vietnamiens, et puis les ethnologues de certains de ces peuples dont on avait choisi les œuvres. Et là aussi, c'était un défi, si vous voulez, et c'est là qu'on apprend qu'on a une sorte de patrimoine mondial, quoi, qui transgresse. Et tout ça parce que ce poète vietnamien me disait, il y a de ces chefs-d'œuvre qu'il faut sauver, parce que ces peuples minoritaires eux-mêmes sont menacés. Sont menacés par des immenses plantations de café que les Vietnamiens ont emmenées dans les montagnes, enfin bon, il y aura beaucoup d'autres choses, mais vous voyez comme quoi les traducteurs, ils prennent par la main les mots et ils ne les lâchent pas pour pas qu'ils meurent en clair. Una de les traduccions més potents que has fet és la de la poesia de Nelly Sachs, una autora que va viure l'ascens del nazisme i va expressar en la seva obra El turbó del poble jueu. Dius que només vas començar, que només en començar et vas trobar amb l'adjectiu sinnreich, amb enginy, enginyosament, per expressar com s'havien concebut les estances de la mort. Aquest llibre ara acaba de sortir traduït en català per Foli Formosa. Et va semblar que aquest adverbi expressava tota la perversitat de què és capaç la intel·ligència humana i expliques a traduir com transhumà que et va costar molt arribar a trobar el to, que vas haver d'anar avançant lentament per trobar la manera de traslladar una llengua alemanya a la qual Nelly Sachs havia insuflat l'alè de l'hebreu. Vas fer servir, dius, un mètode especial. Ne pas expliquer. Je crois que, comme chaque fois, et vous le savez, tout doit être placé dans le contexte. Et Nelly Sachs, juif de Berlin, famille assimilée, juive, elle était donc menacée. Et pour qu'elle soit sauvée, elle et sa vieille maman, il a fallu. C'était grâce à une de ses grandes amies allemandes et puis à Selma Lagerlöf, à qui Nelly Sachs, comme petite fille, avait déjà écrit pour lui dire combien elle aimait son œuvre. Et puis l'intervention du roi de Suède, elle a pu être avec sa maman encore au dernier moment, alors qu'ils avaient déjà été arrêtés par la Gestapo et puis que la Gestapo allait revenir, enfin, juste un interstice, voilà. Mais c'est parce qu'elle a été sauvée aussi par ce qu'elle appelle une juste enfin, allemande, qu'elle a écrit à Ben Gurion pendant le procès Eichmann en disant « parce qu'il y a eu des justes en Allemagne, je vous dirais comme Abraham suppliant Dieu au moment de Sodome et Gomorre, ici il reste 50 et 12 et 1 juste, peut-être, voilà, on peut ne pas le condamner à mort, mais, enfin, voilà, ça c'est encore un autre débat, mais je voulais quand même donner ce contexte, et Nelly Sachs
dans les années, donc elle est arrivée à Stockholm, et au début des années 50, quelqu'un qui maintenant est un des grands poètes allemands, qui s'appelle Hans Magnus Enzensberger, à ce moment-là avait une vingtaine d'années, et il avait quitté l'Allemagne, et il était dans les pays nordiques, je ne sais pas si c'est en Norvège, et il a découvert la poésie de Nelly Sachs, des poèmes qui circulaient, et il a écrit, mais Nelly Sachs a sauvé ce que nous étions menacés de perdre, c'est notre langue. Parce que dans sa langue, il n'y a pas un mot de haine, et il n'y a pas de place pour les bourreaux, mais que pour ceux qui ont un visage humain et les victimes. Et c'est vrai que sa langue, elle l'a façonnée avant l'exil, pendant la montée du nazisme, grâce, et en découvrant la traduction, qui sera très loin cette traduction, de la Bible, commencée par Martin Buber et Franz Rosenzweig, et dans cet hébreu et cette Bible qui met à distance tout le diktat qu'il y a dans la traduction de Martin Luther King et qui renvoie les hommes à leurs responsabilités, Nelly Sachs a façonné sa langue de la Shoah et d'après la Shoah. Alors c'est vrai que là, je n'avais pas un cahier, mais instinctivement, sans du tout le conceptualiser, j'ai peu à peu eu 4 cahiers. Et voilà, chaque traduction, le premier cahier, et finalement, très curieusement, j'ai réalisé que c'était les 4 approches traditionnelles, si on peut dire, des textes dans la tradition talmudique. Mais bon, le premier, c'est le sens littéral, et puis après, c'est allusif, on prend une distance. Et ensuite, on se dit, mais il faut peut-être solliciter, troisième. Et le quatrième niveau, c'est le sens secret, là où vous êtes comme devant un rêve que vous devez, alors là, interpréter, oui. Donc il y a encore un autre sens au mot interpréter. Vous êtes tout seul devant un mystère et vous devez en donner non pas une clé, mais quelque chose, oui, chacun après. Donc voilà, 4. Et vous voyez que le mot du reste qu'elle emploie pour, par rapport à ce travail-là, c'est le même mot qui est employé dans la traduction de Buber pour interpréter les rêves. Quand Joseph, on va interpréter les rêves dans la Bible, de ce qu'il y en a beaucoup, c'est ce même mot-là, Deuten. Voilà, c'est-à-dire donner le sens, on pense. Va estar d'avui l'obra d'Eugenie Goldstern, una etnòloga austríaca nascuda a Odessa i deportada el 1941 al camp de Sobibor, on va morir. Goldstern va estudiar en detall la vida quotidiana dels pobles des dels Balcans fins a Savoia. Per traduir-la, vas recórrer molts d'aquests pobles per trobar la manera de traduir aquella llengua alemanya supranacional. En un dels teus llibres, Més d'on d'am, escrius que vas anar a parlar de Goldstern a Silbertal, el poble on va fer gran part d'aquesta recerca, i dius, cito del llibre, com parlar de Sobibor? En aquesta nit glacial se m'imposa de sobte transmetre la part de llum i de vida, el seu amor per la casa i a través de la casa dels habitants de la vostra vall. Ha anotat, descrit, dibuixat, fotografiat, tot el que era un refugi, tot el que era vell. Amb el mateix fervor humil recull les joguines, els primers de la terra, tallats a les branquetes, als ossos, a les clofolles dels fruits, dipositaris dels somnis i de les pors dels infants. Com ho fas per treure tanta poesia, tanta bellesa, de les experiències més sòbrides? Donc c'est intéressant parce que cette langue de... Alors Eugenie Goldstern, quand j'ai fini de traduire Nelly Sachs, je me suis dit c'est fini, je suis allée le plus loin que je pouvais, voilà. Et puis Eugenie Goldstern est venue au-devant de moi à travers un ami, Jean-Claude Duclos, qui connaissait son œuvre, mais qui cette œuvre n'avait jamais été traduite. Mais on savait qu'il y avait une ethnologue
qui était né à Odessa en 1884, chassé par les pogroms avec sa famille, né à Odessa, famille qui est arrivée de Galicie, chassée par les pogroms, arrivée à Odessa, chassée par les pogroms, 1906, arrivée à Vienne, où elle n'a pas eu le droit d'étudier. Et elle avait une vocation d'anthropologue, qui était une science naissante à ce moment-là, et à Vienne, dans ce contexte extrêmement intéressant, avec Freud, etc. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Et elle n'a pas pu étudier comme une jeune femme et juive. Et elle a quand même, en Suisse, pu inscrire une thèse. Ce qui est intéressant, c'est que sa vocation, c'était d'aller dans les communes les plus reculées, dans les Alpes, des Balkans jusqu'en Savoie. Donc elle a sauvé la mémoire d'une petite commune de Savoie qui a été ensuite brûlée par les nazis. Et d'être là où les gens sont, vivent entre eux. Elle est arrivée par une tempête de neige dans ce petit village de Savoie. Elle a été chaque fois chassée parce qu'il y avait les guerres, parce qu'il y avait les interdictions de frontières, etc. Mais elle a continué et elle a fait par exemple une étude sur les habitats des vallées les plus reculées en ayant un mot pour chaque vallée. Le mot d'une vallée, c'est pas le même mot que pour une autre vallée. Et elle a étudié les jouets des enfants à peu près au même moment où Walter Benjamin travaillait aussi sur les jouets des enfants dans cette période qui basculait entre le jouet primitif et l'industrialisation du jouet. Elle allait interroger les enfants. Et sa langue, vous imaginez, avec toutes ces transfuges qu'elle a pu faire, ces exodes, sa langue, c'était cet allemand supranational, comme disait Imre Kertész, des juifs d'Europe comme une lingua franca, qui était pétrie de beaucoup de cultures et de langues, et donc son allemand, même si elle, dès 1924, c'est-à-dire que l'idéologie nazie était déjà infiltrée à Vienne, puisque Hitler était quand même le berceau d'Hitler en Autriche, même si elle était déjà interdite à ce moment-là, sa langue était inaliénable, parce que c'était une langue métisse. Elle est beaucoup plus solide, et on ne peut pas l'attaquer au nom de la pureté. Et alors, ce que je voulais répondre à ce que tu dis, traduire des choses terribles, quand notre livre a paru, la traduction, il y a eu une magnifique exposition au musée dauphinois à Grenoble qui retraçait tout ce chemin. Et un écho est arrivé dans un village d'un endroit très perdu dans les montagnes d'Autriche où il y avait un travail du comité d'histoire contre les mémoires du nazisme dans ce village. Ça, c'était en 2010. Et ils ont entendu parler de ce travail qu'on avait fait, mais Eugénie Goldstern n'existait pas en Autriche complètement. Elle a été exterminée à Sobibor. Et alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter, parce que c'est tellement important. Ce petit village avait un monument aux morts. Et sur ce monument aux morts, il y avait marqué « mort victime de la guerre ». Et il y avait le nom d'un enfant de ce village qui était un des responsables de l'euthanasie en Autriche. Et comme ça devenait un peu scandaleux au plan international, il avait été mis pour être responsable du camp de Sobibor. Et il figurait sur le monument aux morts de ce village qui s'appelle Silbertal, comme victime. Et donc il y a eu pendant des années un comité d'histoire. Et finalement, ce petit village, à l'initiative de ce comité d'histoire, a fait un voyage à Sobibor, parce qu'ils avaient appris qu'il y avait
parmi toutes les personnes exterminées d'Autriche, il y avait une femme qui était anthropologue et qui avait travaillé sur leur vallée. Donc, à l'initiative de ce comité d'histoire, en absence et en refus total du prêtre du village, le maire a rempli un petit autocar. Ils ont pris un rocher, ils ont gravé dessus pour Eugénie Goldstern, en mémoire et en reconnaissance, son travail sur nos vallées. Et ils sont allés à Sobibor pour rencontrer deux des survivants du soulèvement de Sobibor. Ça doit vous paraître surréaliste à votre génération. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'autocar, il y avait le fils de ce criminel nazi qui a fait cette démarche pour aller rencontrer les survivants de ce soulèvement de Sobibor. Et donc vous voyez tous ces tissages-là. Et une amie, qui maintenant est à Montréal, m'a envoyé un article du journal racontant cela. Et c'est comme ça qu'on a su qu'on avait fait ce travail sur Eugénie Goldstern en France. Et donc j'ai été invitée à aller là-bas avec un des ethnologues suisses qui m'avait beaucoup aidé. On est arrivé là sous la neige. On rencontre ce petit comité d'historiens et ils disent « Mais nous, on veut faire quelque chose pour Eugénie Goldstern. On veut faire une exposition. Mais comment est-ce qu'on peut présenter Sobibor ?» Et moi, je leur ai dit « Mais Sobibor n'a rien à voir là-dedans. Eugénie Goldstern, elle aimait la vie. Elle aimait vos maisons, elle aimait vos enfants. C'est ça que vous devez transmettre. Sobibor, c'est pas Eugénie Goldstern. Ce que vous devez transmettre, c'est cet amour de cette femme juive qui venait de tellement de territoires bannis, etc. Et c'est ça qui compte. Donc c'est ce que je répondrai à ta question. C'est... Bé, viatges a Nova Zelanda, intrigada per una notícia que un dia trobes a Le Monde el 20 de març de 2017, no dic no fa tant de tot això, que deia que el Parlament de Nova Zelanda havia concedit al riu Whanganui l'estatut de persona jurídica. I tu escrius: travessar continents, oceans, en cerca d'una paraula, o més aviat, de la seva traducció o de la seva traducció impossible, en una llengua que no conec, vol dir tenir-ho tot per descobrir els abismes que ens separen, els ponts que connecten, tot per aprendre del pas d'una paraula, d'un món a un altre món. I què vas descobrir a Nova Zelanda? Se diu diminuïna. Ah, d'accord. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Vous la connaissez bien, Thames. Ah, d'accord. On a sauté. Donc, c'est la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est la Nouvelle-Zélande. Et là, je pense à... C'est pour ça que je me suis dit, mais c'est bizarre. Et je pense à Mouli, là, justement, parce que pour un mot, j'ai refait un voyage, mais comme je vous dis, vous traversez la rue, c'était la peine d'aller au bout du monde, mais là, il se trouvait que j'ai été appelée par ce mot. J'avais vu dans un... effectivement, qu'après 100 ans de lutte, les Maoris de Nouvelle-Zélande avaient obtenu que soit reconnue l'importance vitale, spirituelle, non pas économique, financière, de leur grand fleuve, le Whanganui. Et donc il y a eu un traité avec le gouvernement néo-zélandais, ce qu'on appelle la couronne, puisque ça dépend aussi de la couronne de Sa Majesté la Reine, et les représentants des Maoris. Et dans ce traité-là, il est dit que le fleuve est reconnu comme une legal person, une personne légale, avec des droits et des devoirs. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour des Maoris qu'un fleuve est une personne légale? J'ai dit, il y a un problème. Et donc, voilà, ça a été toute une expédition.
Et finalement, je suis arrivée au bord du fleuve Whanganui, mais là aussi, je ne connaissais personne. Mais j'étais appelée, quoi, par le fleuve, par... Et bref, j'ai fil en aiguille, j'ai rencontré vraiment des personnes incroyables, quoi, tout simplement. Et entre autres, un vieil homme maori, on continue à être en relation maintenant avec sa famille, et ce vieil homme, il avait entendu, parce que ça commençait dans la petite ville à se savoir, quelqu'un qui vient avec ses questions un peu bizarres, il était venu me voir, et je me souviens, il faisait froid, et il avait un bonnet de laine, et il s'est assis, et je lui ai dit, mais... Donc il m'a parlé, voilà, et puis je lui ai dit, mais ce mot incroyable, alors, comment tu le traduirais, quoi, en langue maori, parce que, ce qui est très intéressant, ce texte existe en anglais, mais officiellement, il n'a pas été traduit en langue maori. Il a été expliqué, mais pas traduit. Parce que en 1840, les Maoris s'étaient déjà fait piéger par une traduction, sur l'indépendance, et le mot n'existant pas, finalement ils s'étaient fait piéger par les colons anglais qui s'étaient installés. Donc il n'y a pas de traduction. Et je disais, mais comment tu le traduirais? Et alors sa femme était là, et il se tourne vers elle et lui dit, mais tu sais, il y a un grand intellectuel là, un écrivain, c'est peut-être à lui qu'il faut demander. Et sa femme lui dit, non, mais toi, tu sauras aussi. Et j'ai gardé le petit papier, et malheureusement, il est mort juste quand le livre est sorti, alors vraiment... j'ai gardé les petits papiers, je l'ai renvoyé après à sa famille, les petits papiers, où il essayait de trouver les mots pour traduire en maori, et il m'a dit, mais c'est pas ça, un fleuve, c'est pas une personne, et le fleuve, s'il a des devoirs, et c'est de couler pour que la vie continue. Et j'ai réalisé comment la traduction, ça peut être vraiment une coercition, je sais pas comment on dit en catalan, une coercition, une violence faite à la langue. Comment vous pouvez traduire dans votre langue un concept qui n'existe pas? Et c'est pour ça, quand on dit que tout est traduisible, je veux dire, tout est explicable. Et donc c'était vraiment, quand j'étais à côté de lui, j'ai réalisé, au fond, pourquoi j'avais fait ce voyage, enfin, je veux dire, c'était, imposé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ens queda, tenim dues preguntes més. Perquè ens n'hem saltat una, que va conèixer el Yehudi Menuhin i va treballar amb ell, però no seria massa estona. Se la saltem. Li podeu preguntar si algú està molt interessat. Quan parlem de la traducció de Traduir com transhumar, parlem del nostre llibre. Jo m'atreveixo a dir que és el nostre llibre. És difícil saber on comença la contribució del traductor i on acaba la de l'autor quan el llibre comença un nou camí en una altra llengua. Què opines? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce livre, Traduire comme transhumer, il a été traduit en italien, en anglais, il a paru à New York et à Londres, en allemand, catalan, et la traduction catalane, il y avait quelque chose en plus. Et mon interprétation, je crois que notre ami Nguni serait d'accord, c'est que les autres langues sont des langues dominatrices, impériales, si vous voulez. Et le catalan est une langue que je mettrais plutôt dans le camp des langues ou des minorités menacées qui se battent pour défendre des valeurs qui sont universelles. C'est ça la chose extraordinaire, c'est qu'on parle du particulier, on va à l'universel. Et ça, la traduction
de Dolors l'a fait vibrer, quoi. Et c'était en empathie, sans doute, avec des choses qu'elle a senties dans mon écriture et dans ma démarche, quoi. Ce que j'appellerais ma langue d'âme, ma langue intérieure. Et ça, c'est grâce au catalan et aussi à ce qui est reflété aussi dans la démarche éthique, j'allais dire, de Dolors, sa capacité d'écoute et d'empathie. Voilà, et je pense que la traduction arrive à rendre cette part qu'on n'entend pas, quoi. Et c'est là que, quand on dit notre livre, c'est ce que Mouly a dit au début et à la fin, la traduction comme langue commune, quoi. Là, vraiment, moi, je l'ai senti comme ça, quoi. Et je peux donner un exemple de cette capacité d'empathie de la traduction de Dolors. Vous m'excuserez pour ma prononciation du catalan, mais le texte français pour Nelly Sachs, « Aux nuits des enfants en pleurs », en allemand c'est « weinend », et Dolors, juste en rajoutant « aux la nuit, aux la nuit des infants geplorend », et le fait de rajouter « la » et de rajouter « que », ça rend tout de suite ça le rend présent, quoi, si vous voulez, d'une manière encore plus sensible. Par exemple, en français, il y avait « Je ne peux que pleurer » et Dolors, dans son texte, n'est pour faire sino pleurer. Le fait de rajouter ce « faire », quoi, c'est pareil, on voit tout le travail intérieur qu'on retrouve aussi dans la parole. Oui, c'est ça. Il y a aussi, quand tu as traduit la langue, pays intérieur, et tu as traduit aussi la lingua, pays de l'anima. Et voilà, c'est tout de suite cette résonance profonde, quoi. Il y avait aussi, par exemple, la parole interdite des taux, et c'est là aussi que tu as ce verbe faire, qui rajoute, qui est la parola se fi prohibex ser sentida. Et se fi prohibex, je trouve que ça rend toute une responsabilité par rapport à ce qui se passe, quoi. Et donc, moi je pense que chaque traduction enrichit. C'est comme chaque rencontre. Quelqu'un de rencontré, tu diras « Ah ben oui, il a compris. Ah oui, moi j'ai pas réalisé qu'il fallait dire ça. Ah oui, vous voyez, c'est ça. » Et pour acabar, et abans de formular la pregunta, i això s'acaba d'improvisar, vull llegir un poema breu. El darrer llibre publicat per la Mireille, i que hi ha tota una part que està dedicada a l'Anna Akhmatova. I aquest poema també forma part d'aquesta breu antologia que vam fer, i el poema diu així. Hi havia aquell salze sota els graons de la teva cabana, estimada Anna Akhmatova. I aquest dia de novembre d'una dolçó sorprenent, i els teus braços estesos vers les gemmes a punt de descloure's com per abraçar-les, i les teves paraules per compadir-les. Han triat mal moment per esclatar. El gel les matarà. La traducció fa part dels teus poemes, fa una part dels teus poemes a la llengua catalana, i en certa manera Mireille Gancel fa part, a partir d'ara, de la cultura catalana, de la llengua catalana. Jo sé que això et fa molta, sap, de fet, plaisir, i per això t'ho demano.
Tout d'abord, je dois dire que être traduite par un poète comme Anthony Clapès, qui entend l'au-delà des mots, il m'a fait réaliser des choses que j'avais peut-être pas osé écrire, et il est allé encore plus loin pour Jacoté. Et voilà, c'est comme l'interprète quand Yehudi Menuhin joue Bach, je vais entendre des choses, voilà. Et pour répondre à ta question, eh bien moi je dirais que quand j'ai vu ça, bien sûr j'avais les larmes aux yeux, et je me suis dit, mais tiens, avec le catalan, avec cet accueil, peut-être que j'ai trouvé ce que j'appelle une maison d'âme.